Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine. Je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte avec le set de tampons faïence texturé et les poinçons faïence texturé. Donc le set de tampons avec des écritures, des vases et des feuillages, les poinçons. Donc là vous allez retrouver l'entourage du grand pot, là c'est le petit, les découpes des feuillages de tampons et d'autres découpes autres que les tampons. Voilà, on va utiliser l'encreur pâtisserie opacane, mauve mélancolique et pimpant. Donc on les retrouve sur cette carte. Les brosses estompes, donc vous retrouverez à la page 137 du catalogue annuel. La perfo 2 ovales qui se trouve à la page 148 du gros catalogue. Le set de tampons et les découpes faïence texturées sont à la page 71 du catalogue annuel. Et là, vous allez avoir ce papier que j'ai découpé. Et donc, c'est celui-ci, c'est nature métallisée. Et là, vous retrouvez du cuivré, de l'or et de l'argent. Voilà. Et voilà, donc c'est un paquet de 6 feuilles, il y en a 2 de chaque à l'intérieur. Et celui-ci, c'est une exclusivité en ligne. Donc pour aller voir les produits exclusifs en ligne, vous tapez Stampin' Up et exclusivité en ligne. Et là, vous aurez tout ce que vous retrouverez sur le net. Et on va utiliser du papier. Donc pompampan et mauve mélancolique. Donc voilà la carte. Vous prenez une base de carte qui fait 21 cm. Alors 21 cm sur 13,85 et vous pliez à 10,5. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos tampons. Donc je vais utiliser le grand pot, le petit, ce feuillage et celui-ci. Pour le message, je verrai plus tard. Donc vous avez des blocs acryliques qui se trouvent dans le gros catalogue. Et donc là, je vais venir prendre mon bloc, mon tampon, et je vais venir tamponner le grand pot en pan-pan-pan. Donc vous venez prendre votre encreur et vous venez tapoter comme ceci, sans écraser, hein. Voilà. Et vous venez tamponner sur votre carte. Comme ceci. Donc vous appuyez bien droit et vous ne basculez pas. Ensuite, vous allez prendre le plus petit pot et vous allez prendre votre encreur mauve mélancolique. Et vous venez tamponner juste sur le côté. Hop, voilà. Ensuite, vous prenez ce tampon feuillage
l'encreur pâtisserie ou pacane. Et vous venez prendre un petit papier repositionnable que vous allez venir positionner juste à la jointure de votre peau. Vous venez prendre l'encreur pâtisserie opacane tout doucement et vous venez tamponner. Comme ceci, bien droit, voilà. Ensuite, vous enlevez votre petit papier, vous prenez une feuille de brouillon, vous allez venir prendre votre brosse estompe, votre encreur pan 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 et vous venez prendre un petit peu d'encre et faire l'entourage de votre carte comme ceci, tout doucement. Vous partez toujours de votre brouillon, vous faites des petits cercles et vous venez mettre de l'encre sur votre carte. Plus vous allez passer de fois, plus l'ancrage sera foncé. Voilà, tout doucement. Je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées. J'espère que toutes mes petites créations vous aident à faire de jolies cartes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Si vous êtes de la région rennaise, n'hésitez pas non plus. Peut-être que on pourrait se rencontrer sur soit un atelier ou des expos, des marchés de Noël que je vais faire. Pour avoir les informations, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook ou sur Insta ou encore mon blog. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi le faire sur une petite partie de l'étiquette. Donc j'ai perforé un ovale, petit en blanc et l'autre je l'ai fait en pan pan pan. Voilà, donc là je vais venir mettre un petit peu de bleu aussi sur mon étiquette. Légèrement. Comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, donc là on a notre carte. Donc je vais prendre mon tampon avec les feuillages tout légers et je vais venir les tamponner mauve mélancolique, donc de la même couleur que là, et hop, donc en première et en deuxième impression. Donc voilà, une, deux. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir couper donc ce pot avec cette découpe. Voilà, et ce sera dans le papier spécialité nature métallisée que vous allez retrouver en exclusivité en ligne. Donc vous prenez votre machine de découpe
machine de découpe qui se trouve à la page 153 du catalogue annuel. Vous venez positionner votre poinçon sur votre papier, comme ceci. Vous positionnez bien votre plaque transparente et vous venez faire votre découpe, comme ceci. Vous allez jusqu'au bout et là, vous récupérez votre peau. Hop. Donc là, vous reprenez votre brouillon. Je vais le faire en pâtisserie opacane. Hop. Et là, tout doucement sur le côté. Hop. Voilà. Et vous pouvez laisser l'intérieur un peu plus blanc et les entourages un peu plus foncés. Comme ceci. Alors, vous prenez votre carte. Hop. Voilà. Et vous avez votre étiquette. Celle-ci. Et vous avez vos petits textes. Donc là, moi, je vais prendre le merci. Le merci que vous allez pouvoir mettre sur votre étiquette. Et là, je vais prendre mauve mélancolique. Donc, vous venez tapoter légèrement pour prendre de l'encre. Et vous venez tamponner votre étiquette sans bascule à chaque fois, hein, faites bien attention à ça. Et là, vous avez votre texte. Vous allez venir coller votre petite étiquette merci en 3D. Donc, vous prenez deux petites pastilles, hop, vous enlevez les petites protections à l'arrière, vous venez poser sur votre étiquette festonnée et vous allez venir coller sur votre carte. Le pot, on va le mettre en 3D. Donc vous venez aussi positionner deux pastilles 3D sur votre pot et vous choisissez l'endroit où vous allez le mettre. Donc soit, hop, je vais vous le faire dans le bon sens, soit au-dessus comme ça, soit en décalé. Vous pouvez aussi le faire remonter comme ceci, voilà. Et votre étiquette, vous venez la coller sur votre carte. Donc vous mettez, hop, un petit peu de colle à l'arrière et vous venez mettre votre étiquette comme ceci et vous avez deux jolies cartes à réaliser avec le set de tampons faïence texturée. Hop. Voilà, qui se trouve, je vous le redis, à la page 71 du catalogue annuel. Et donc là, vous avez vos deux cartes aéré avec quelque chose de très détaillé et très fin en tampon. Et vous avez la petite touche de brillant sur le papier nature métallisé que vous retrouvez en exclusivité en ligne. Si vous avez des questions sur les produits en exclusivité en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai et vous les commandez par mon intermédiaire comme les produits du catalogue annuel ou le catalogue de Noël. C'est exactement pareil. Les commandes pour celles qui sont loin de chez moi, qui veulent commander sur ma boutique, n'hésitez pas, Stampin' Up
boutique en ligne d'Applorence. Et vous pourrez aussi commander et vous faire livrer chez vous. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle semaine créative. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et surveillez aussi les réseaux de façon à pouvoir venir me rencontrer sur les marchés de Noël que je vous prépare pour cette fin d'année. Donc il y en aura un sur ma commune, donc avec des artisans créateurs qui seront bien choisis et vous aurez des jolies choses à découvrir. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, un bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt, bye.